gloire à Jésus. Abongina Loko. Abongina Kimbo. Abongina Matondi. Abongina Bassan Joli. Kumisaye. Yende mo bateli na yo. Yende mo sugi na yo. Yende sa musala na butu ya lelo. Kaka yo wana de abele misi okati no bisika. Ogoye misaye. Bala moko ete. Alo bela yo na tongo ye asika. Pwete. Suki atike liyo pima na bomo. Eza na bit. Bit ya mweza ke. Ako banano kubongisa yo. Poto kukina nonte. Sambela na kombo na Yesu Kristo. Colonne de Jésus Christ. Donc si ma tante n'est pas là, pour être honnête, madame, pour l'homme n'a eu le temps de s'amuser, Seigneur, dans la combattre la biseau quand il n'a pas tout, pour la dépongue à qui m'a pu offrir, ou au baming, il va zangiango, quoi que Batiaki ait dit qu'il y en a mis Kela Kela, Batiaki ait dit qu'il y en a mis Kela Mou, Batiaki ait dit qu'il y a un bateau, donc on a des policiers, des soldats, des sentinelles, des chiens méchants. Mususu, Yahweh Zambé, bah importa bah mai, na bamboka musika, soit disant on est protégé car, bah kosi bah on a vite ni abanzete, bah poso nanzete, mikua na banyama na bamis na baneke, songolo pa kala ite bate la car, bah kosi bah on a bah mafuta ya mbuma, bah mafuta ya nzete, bah mafuta ya banyama, pe baneke ite bate la car. Bakosi bamona ba mabili na bazelo ya mibali songolo pakalete batela ka Yahweh ni komina we santo etali singa ete soki o bateli te o ya kobatela osamusa na pamba merci po ni komina we lobeli nga ete o ya batela ka Israela nimba ka te pe alala ka te merci po ete ni komina we santo elobi na ngai ete yo nde ozongisaka makasi tongo nyonso epa na baoya yo na tondi yo na komisi okolo po ete yo nde osalinga ngoluwala ya kolongole liki ya na mikela mtope na batu kasi nani kepa ina ubo munga na mikela loko kolo na mbuya loko na mwoni ya mwona butu na lelo ubate linga ina nibuta ya musika pe ya pene balinga mikati na kono ba etu sanga na bangwa na beba palanga ni mkili mbimba solo yondo pesi zelato sanga na natongo ebuye eloko tope sawa nechange nivalite soki nate kuzo kisela o merci ya uo na soso niete soki utike mkapi manabomoy ezalika ka pon ete okoba na kotayenga okoba na kobongisa ngai afin que na atteindre stature na yo Seigneur mon Dieu na koba na état d'homme parfait au moyen du ministère de la parole Seigneur yango na sengi na yo ete liteya ya tomba na lelo eya vraiment mpo na tina na komemanga na perfection liteya na yo ya tomba na lelo esanctifie nga Seigneur mon Dieu moko epurifie nga totalement. Et bénis la Seigneur mon Dieu mon roi et protégez-la et jouez rôle dans mon nion socolo savez la parole au kumisama au saint jourama la tique monte et le monde à mon bon bonicota n'a pas beaucoup d'ailleurs et de vous utiliser par vous puissamment la zakite koutika bana na yo ba ponami na yo boyo yeba qui était au quoi adresser par vous quelques paroles de ta part Seigneur ba yoana satan azana makouki à vous retenir par mon abanda kote avant les derniers mots. Il y a discours, il y a tout le monde avec l'autre, tout le monde avec beaucoup de côtes, quand il y a une salle pour être pas bénéficié, à part où il y a beaucoup de côtes, on réserve qui pour la moko, la moko, il y a ma santé, on a riwara, on a tombé à Sika. Koukisa, on peut dans le kumu na yo, na kumbo na yo kolo, on consipe, on bixe la mission Jésus Christ au lobby. Amen. Amen. Tout est le missi, on te y est le monde avec beaucoup de côtes, pour la moyen côté à Bissou. Dieu. Amen. Toujours dans la cité, par la grâce de Dieu.
Nous sommes toujours dans les sixième sceaux par la grâce du Seigneur. Donc l'enseignement sur les sept sceaux, la sixième sceau. Dans notre enseignement sur les sept sceaux d'Apocalypse. Nous avons un texte d'Abisso et Apocalypse 6. Nous sommes dans notre texte d'Apocalypse 6. Donc exploiter aussi Mingi Osée 6, verset 5. Nous allons aussi plus exploiter Osée chapitre 6. Le verset 5. C'est mieux de tanguer dans Osée 6, verset 5. C'est mieux de commencer par la lecture d'Osée chapitre 6, le verset 5. Osée 6e, verset 5. Osée 6, le verset 5. Amen. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Yangotina na kobeta bango na zela na musakoli na sakoli. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Verset 6e, car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Que Dieu bénisse les lectures. Vous allez toujours dans le sixième saut par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans le sixième saut par la grâce du Seigneur. Nous avons pour comprendre au mieux. Nous prenons les éléments qui nous aideraient à mieux comprendre le sixième saut. Nous avions pris dans notre exposé un texte dans Apocalypse 6, verset 12 à 17. Dans le texte qui est dans Apocalypse 6, le verset 12 à 17, qui parle sur le sixième sceau. La colère de l'agneau. Là-bas, on avait vu ce texte nous parler de la colère de l'agneau. Les grands jours de sa colère. Mokolo monene ya kande ya mwana pate. Ya kondezo sala, sixième saut. Et c'est ça le contenu du sixième saut. Pour Bandaki, commencé dans notre lecture. Dans verset 12e et Apocalypse 6. Au verset 12 d'Apocalypse 6. On a ton Bandaki tango ndanga ya otoba et fungwami. Là-bas, on avait vu lorsque le sixième sceau fut ouvert, il y a un grand tremblement de terre. Et comment est-ce que Jean l'avait entendu? Dans notre exposé, on avait lu Apocalypse 1, le verset 10. Et Jean avait entendu la voix par derrière. Yohane ayokaki mongongo kolobela ye na mokongo na sima. Tolobaki pourquoi cette écriture est bongo. On s'était posé la question de la raison d'être de cette écriture. Koyoka voix par derrière. Donc entendre la voix par derrière. Les derrière, c'est tout un temps. Sima to mokongo ezali tango mobimba. Ezotaki sa tango yo Bible bengaka. Yeah. C'est le temps que la Bible appelle l'obi oyeleka. Donc, temps y a Moïse. Le temps de Moïse. Temps y a la loi, les psaumes et les prophètes. Le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. La Bible, ça l'a appelé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a aussi le temps appelé aujourd'hui. Les temps y a grâce. Donc, qui est le temps de la grâce? Y a encore Bible, les autres, les écritures saintes. C'est pourquoi les écritures saintes nous aident pour comprendre makambo pour comprendre les choses qui viendront ou qui seront. Il faut aller à la cima.
Il faut regarder derrière. Otala makambo elekaki. Regarder les choses qui étaient passées. Yango tozaki ba texte. C'est pourquoi on avait pris les textes. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. On est le mystique qui a été. Oyo ezalaka. C'est ce qui sera. Ne oyo koyaka. Dieu ramène que ce qui passe. Zambé a soumi sakaka koeleka. Tozaki aussi texte ya. Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. On avait pris aussi les textes d'Ecclésiaste 3, le verset 14 et 15. Oui, elle dit, je reconnais que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Nandimi sanyete maïma, son zambé a salaké ou me la kalibela. Il n'y a rien à y rétrancher. Et saline loko mon côté à Kolongo la kalibela. Rien à ajouter. Dieu fait ainsi enfin qu'on les craigne. Zambé a salaka bongo pour être bateau babanga. Ce qui a été, oye salaka, c'est ce qui sera. Ne oye koyaka, ce qui s'est fait, oye salemi, c'est ce qui se fera. Ne oye kusalema. Dieu ramène ce qui est passé. Zambé a soumis sakaka kamayo leka. Donc par là, na wana, d'autant qu'on a qui l'engage wana que Dieu ramène ce qui est passé. Et l'obéliane en zambé kuzongi sa mayo leka. Donc on prenait qui en autant posui Hébreux 10, verset 1er. On avait compris cela lorsqu'on a pris Hébreux 10, le verset 1er. Dans la zone de la suite, tant au Yesaya hier. Lorsqu'on nous parle du temps d'hier. Donc il y a la loi. Il est temps de la loi. Alors il y a la loi. Mobeko possède Esali. L'ombre na elilingi de bien amis ya makambu oyekoya. Donc il dit que nous avons la loi, c'est-à-dire en lisant la loi na kati na yango eza na makambu eza veni. Dans la loi il y a des choses où les biens à venir. Donc nous avons la loi, donc en lisant la loi makambu même eza na apocalypse eza na kati. Il y a même les choses qui sont d'apocalypse. Il se retrouve même les choses qui sont d'Apocalypse. Yangoto Luka qui dans la loi et les prophètes. C'est pourquoi on avait cherché dans la loi et les prophètes. Les tremblements de terre ou bien ébranlements. Koningana Yamabele. Vous voyez qui texte Ag 2. On avait pris Ag chapitre 2. Le Seigneur a le mis dans verset 6. Le Seigneur dit au verset 6. A quoi ébranler les ciels. A koningi saka ma. A quoi ébranler aussi la terre. Pe akoningi saka mabele. A quoi ébranler la mer. Akoningi saka mai monene ya mou. A quoi ébranler le sel. Pe akoningi saka mabele akokao. Ayena verset 7. Il vient au verset 7. Toujours Yage 2. Toujours du même chapitre. Alors il n'a quoi ébranler toutes les nations. Nakoningi saka bikolo nyoswa mabele. Maintenant, tu veux te comprendre Yage 2. Maintenant, vous voulez comprendre Yage chapitre 2. Nous avons un texte. Il y a verset 22e. On avait pris le verset 22. Zambé a l'acquis en réalité. Le Seigneur a promis en réalité. Aboya koukoué sa trône au Ezali Koloya Baroyo Nios. Il viendra renverser le trône au-dessus de tout le royaume. Donc Aboya ne peut combattre royauté au Ezali Koloya Baroyo Nios. Il viendra combattre la royauté qui est au-dessus de tout. Maintenant, cela nous avait poussé à chercher cette royauté au-dessus de tout le royaume. Texte. On avait pris les textes. D'abord, Apocalypse 13, verset 1er. D'abord, Apocalypse 13, le verset 1er. Par rapport au temps. Par rapport au temps. Tout à l'heure, il y a une bête au-dessus des eaux. On avait montré qu'il y a une bête au-dessus des eaux. Une bête Rome, l'Empire romain. Et nous avions vu que cette bête, c'était l'Empire romain. Même Jésus-Christ a contacté Rome et a dirigé la terre entière. Même Jésus-Christ était venu et a trouvé Rome en train de diriger toute la terre. Mais j'entends à son prophétie d'Apocalypse 13. Mais lorsque Jean reçoit la prophétie d'Apocalypse 13, à Zolo Bake, l'une de ses têtes nous a la blessé à mort. À mon aki moko, yamitunaye et zoki samaki penza lokole kufa. Toluka kito comprendre tête. On voulait comprendre qu'est-ce qui signifiait la tête. Ce qui toquei na Apocalypse 17. Si nous nous rendons dans Apocalypse 17. La totalisa la bête avait sept têtes. On nous parle de la bête qui avait sept têtes. Et tikor. Pema seke zoki. La zone définir la verset. 9e, non, verset 10e. On définit au verset 9 et 10 d'Apocalypse 17. Apocalypse 17. Mm-hmm.
Malobi d'abord, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Mitou sambo et sali, bakomba sambo, likolo ya wapi mwasi afandi. Mais va continuer. Mais on continue encore. Et dans verset 10e. Au verset 10. C'est aussi sept rois. Kasi mitouana esape bakoumou sambo. Tozui langage à tête tel saka roi. On prend le langage des têtes qui représentent le roi. Et lorsqu'on parle du roi, donc en réalité, ce sont aussi des royaumes. Alors, tant en Apocalypse 13. Et lorsque nous rentrons au chapitre 13 d'Apocalypse, comme on avait signalé que l'une de ces têtes, l'une des têtes de la bête sera blessée, sera plus dans un temps. Mais comme on a promis la guérison de cette blessure mortelle, c'est dans le verset 3e, le verset 17, le verset 15e, au verset 15, la femme prostituée au-dessus des autres. Moi, si Dumba de Afadi Likola Bamaï, et dans l'Apocalypse 17, et lorsqu'on lit dans l'Apocalypse 17, le verset 18e, au verset 18, bah, dit que cette femme, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Moi si oyo Dumba ezali ebumba monene azali na bokonzi likolo ya bankumu nyonso ya mabele. Donc aza comme roi des rois. Donc cette ville ou cette femme est comme le roi des rois. Na bengi te reine des rois. Non, roi des rois. Je n'ai pas. Bazozwa na terme ya puissance ya oyo dominé. On parle là en terme de puissance de ce qui domine. Et cette femme, où il a remplacé, place où il y a bête, dans l'Apocalypse 13, verset 1er. Et cette femme qui a remplacé la bête d'Apocalypse 13, le verset 1er, c'est l'Empire romain papal. Et ça lit beaucoup de baloma, mais n'a ma kaponeti yamzambe. Donc, ce sont des choses, il y a mystère. Donc, ils ont ma kaponeti yamzambe. Une forme qui est l'ennemi à Zozoa. Donc, une forme qu'empruntent les gens pour séduire la terre. Pour chercher à séduire les habitants de la terre. Alors, toi, avance à qui? Alors, on avait avancé. Là, tu comprends. Là, nous comprenons. Le verset 22e et AGD. Le verset 22 d'AGD. Les rois, les trônes, où ils ont Nicolas Baroyon Nios. Un seul trône là qui est au-dessus de tout le royaume. Domoniango. On l'a vu. Dans Apocalypse 17, verset 18e. Dans Apocalypse 17, le verset 18. C'est la femme prostituée. Ezali moi Sindumba. Et tout le monde en aussi. Et nous le voyons aussi. La bête qui réapparaîtra. Nyama Yaouli, Oyakoubi, Mali, Soussouye, Oyazala Kité. Pour accouter, déplier la femme. Pour accouter la moi Sindumba. Briller les amis de la femme. Na moto. Les en Apocalypse 17. C'est dans Apocalypse 17. Verset 16e. Le verset 16. Nyama Yaouli, Pé, Bakoumouzo. Aïron la prostituée. Bakoinaka, moi si. Bonani les années. Pourquoi les choses seront ainsi? Dans la malade. Suis attentive. Donc, Ezaraka, ce qui est puissante nation Congo. Donc, un royaume, Ezalikola, par royaume, les sources. Donc, la chose est que s'il y a un royaume au-dessus des autres royaumes, Ezalikola, Égypte. Donc, c'est comme l'Égypte. Dans l'Égypte, à son Goya. Lorsque l'Égypte tombe, Ezalik, Assyrie. La Syrie, dans son joie. Prééminence est sur le monde. Lorsque la Syrie prend sa domination sur le monde, et qu'il y a aussi l'Égypte, il faut haïr l'Égypte, à déprier, à l'ongolaïe et l'en bas. Et qu'elle renverse l'Égypte, elle doit la déprier, à brûler, et la brûler. Pour brûler, d'accord, à juger. Donc, brûler parle du jugement contre. Après, tant que la Syrie a été élevée au-dessus de toutes les nations, après, lorsque la Syrie est élevée au-dessus de tout le royaume, Aza comme trône au-dessus des royaumes. La Syrie est comme le trône au-dessus du royaume de la Mais terre. Mais Tana est pesant marqué qui est aussi là. Mais son temps aussi est arrêté aussi. Tana est aussi là. Lorsque son temps prendra. Un autre roi s'élèvera pour le haïr. A pour déshabiller. Les dépouiller. A pour brûler. Et le brûler. C'était maintenant Babylone. Et ça là qui beaucoup dit Babylone. Babylone a déshabillé Assyrie. Babylone qui dépouille la Syrie. A suivi l'autorité à sa place. Et prend l'autorité
Babylone a commis comme trône au-dessus des royaumes de Satan. Et Babylone devient comme le trône au-dessus de tout le royaume. Tant coupé tant y a Babylone et coquille et Syrie. Et lorsque le temps de la domination il faut un roi. Il faut qu'un roi vienne maintenant les associations avec toutes ces associations à déshabiller, les dépouiller, à brûler et les brûler. Au brûler tel des sacs à jugement. Il représente les jugements contre tous les combats qu'on a dans vos secondes brûlés. Donc, Babylone soit au bout du ciel et au tomba peut-être mort. Là où t'as quoi si Babylone? Là, l'empire qui a renversé Babylone. Ils ont comme Médo-Perse. Ils ont beaucoup dit à Babylone-Perse. Ils ont posé Daniel 5. En prenant Daniel chapitre 5. Au bandit à partir du verset 28. Hein. À partir du verset 28. On a Beltadjar Azala qui est en pleine fête. Là-bas, le roi Beltadjar était en pleine fête. Et tant qu'on a été en pleine fête, Beltadjar, roi, il y a Babylone. Et Beltadjar, le roi de Babylone. À Sakana qui n'a pas instancé de la maison de Dieu. Il s'était joué avec les extensiles de la maison de Dieu. Le Seigneur a commis qui par une portion yamenaie. Le Seigneur avait écrit par une portion de sa main. La muraille. Sur la muraille. Men tekel pesé. Compter pesé divisé. Donc à cela qui a divisé le royaume y a Babylone. Le Seigneur avait fait qu'il puisse diviser le royaume. À mettre y a go fin. Puisse y mettre fin à la demande. A jugé Yako par sa parole. Il l'a jugé par sa parole. Mais a tindinde, Medesna Perse, Baya, ou déshabiller. Mais il a envoyé l'empire Médo-Perse pour le dépouiller. Ou brûler. Le brûler. Ma botoni autorité à m'amener. On l'a ravi l'autorité. Là maintenant, Médo-Perse est commis trône. Maintenant, l'empire Médo-Perse devient le trône. Au-dessus, il y a un royaume qui est sur terre. Au-dessus de tout. Royaume de la terre. Tant qu'on peut taille à Perse aussi là. Et lorsque le prend de la domination, il faut royaume au source et haïr. Il faut qu'un autre royaume puisse le haïr. Et déshabiller. Le dépouiller. Et brûler. Et le brûler. Là, Zalaki cresse. Et Zalaki Mokunzaba Eleni. Et Alexandre le Grand. Mokunzaba Eleni et Alexandre le Grand. Na Daniel 8, au temps, on est dans Daniel 8. Tu peux le lire dans Daniel 8. Là, ma Grèce, baillé, ma Grec, baillé, ma dépouillé Médo-Perse. Là, les Grecs sont venus déshabiller ou dépouiller l'empire Médo-Perse. Ma monnaie maintenant va commis au-dessus de la royaume Union sociale. Et maintenant, il se place encore au-dessus de tout le royaume. Tant qu'on aussi là. Et lorsque leur temps aussi arrive il à la fin, un royaume et pour déshabiller. Il faut qu'un royaume vienne encore les dépouiller. Et dépouiller. Les déshabiller. Et brûler. Et le brûler. Là, c'était maintenant Rome. Et là, c'était l'Empire romain. Rome a déshabillé Grèce. C'est l'Empire romain qui a dépouillé l'Empire grec. Pour déshabiller, et là-bas, il était ça s'appelait gloire. Le vêtement représente aussi la gloire. Autorité. L'autorité. Ce qui va l'ongolio et là-bas. Si on te dépouille le vêtement, et dit, otari, ça, cela représente. Nguya naïe, gloire naïe, ici. Ta gloire, ta domination a cessé. Pourquoi j'utilise ces termes-là? Isaïe 20. Parce que si vous prenez Isaïe chapitre 20. À partir du verset 1er et du verset 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Le Seigneur a émissé son prophète Isaïe. Le Seigneur s'adresse à son prophète Isaïe en disant. A émissé que Isaïe marche. Ni et déchaussé. Isaïe a tambola bolumbu pe makolongo. Isaïe a l'ongoli bilamba. Isaïe a dépouillé son vêtement. Azo tambola bolumbu. Et il commençait à marcher nu. Akadia Israël. Et au milieu d'Israël. Parce qu'un prophète c'est ainsi. Poète Moussakoulia Zalakane le mot. Tambazo tambola nemoana. Et en marchant comme ça parfois. Il faut interpeller le peuple. Il faut que cela puisse attirer le peuple. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Zamba l'igi koyibsabiso. Et le Seigneur a passé la parole. Et le Seigneur a donné la parole. Comme mon serviteur Isaïe. L'olégué mon comme Sali Nanga Isa. A marché nu. A tamboli bolou. Et déchaussé. Pema kolongo. Et mozala nengewana dans 3 ans. Et cela sera ainsi dans 3 ans. Nikolo na Egypte. Sur l'Egypte. Na Éthiopie. Et l'Éthiopie. Donc, tant qu'Égypte a zokweya, lorsque l'Égypte tombe, il a cela veut dire que les vêtements sont ôtés, il est dépouillé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais les ambassades à mon prophète. Mais le Seigneur accomplit ces signes
dans la vie d'un prophète. Lolenge moko tango Rome païenne. De la même manière, lorsque Rome politique. Oyazali na Apocalypse 13 verset 1er. Qui est dans Apocalypse 13 verset 1er. Yende Christ Jésus yango kuta sur la terre azo dominer la terre. C'est cette Rome que Jésus était avait trouvé en train de dominer la terre. Yewana pende azo dominer Israël. Et c'est la même Rome qui dominait Israël. Vous remarquez que na tango Marie azalaki na grossesse. Vous allez remarquer en ce temps là lorsque Marie était enceinte. César Auguste avait sa ordre na mabele mobimba. L'empereur César Auguste avait donné l'ordre un édit sur toute la terre et recensement faisait. Basa motango ya bato. Mais après sa ordre recensement ko sa mandengeni. Mais comment est-ce que cela va se passer? Motunyo so zonga na mboka na ye propre. Que chacun retourne. Donc chacun retourne dans sa mabele mobimba tout ça. Et toute la terre avait obéi à cet ordre. Il y a soit un mouvement. Et tout le monde était en mouvement. Terre propre. Pour rentrer dans leur ville natale. Qui a dit cela? Le roi romain. Oui, mon Kontabalo. L'empereur romain. Oui, Zali mon César. Il est de César. Et Israël aussi. Et Israël. Tous qui portent l'empereur romain. Ils ont obéi à l'ordre de l'empereur. Joseph a suivi Marie. Joseph a pris Marie et rentré dans leur pays. Dans Bethléem pour faire le recensement. Dans Bethléem pour en faire le recensement. Ah, cela prouvait que c'est Rome qui dominait la terre. Et cela prouvait que c'était l'empire romain qui dominait la terre. Donc c'est la bête qui était au-dessus des eaux. Et ça, Niyama Yahoulou Azaki Likola Mamaï. Trône sur le royaume. Et c'est lui qui était sur le trône au-dessus du royaume. Mais Lokola Apocalypse 13 est là qui est faux. Ses têtes à la blesser. Mais comme l'écriture promet que mon corps et mon tout n'a essayé de se calmer et le royaume de Rome est Panzanaka. C'est pourquoi l'empire romain était disloqué. Et Panzanaka. L'empire fut disloqué. L'État est Panzanaka. Mais on s'est disloqué. Et Tomoni place Nango est remplacé par la prostituée au-dessus des eaux. Alors nous avions vu la prostituée remplacer la bête au-dessus des eaux. Je pense que nous nous saisissons très bien. Je pense que nous saisissons très bien l'enchaînement. Toute cette marche, bien-aimée. Pour l'écriture des eaux. Parce que l'écriture dit. La bête qui était n'est plus. Mais réapparaîtra. Pour réapparaître, donc sa réapparition. Il faut appeler la femme. Elle doit brûler la femme. À déshabiller la femme. La dépouiller. À manger sa chair. Et manger sa chair. Parce que manger veut dire vaincre. Beaucoup lié ni koloba kolonga. Dominer. Donc kolonga. La tanguya zozonga. Et lorsque cette bête réapparaît. C'est toujours en Apocalypse 17. Isaacaka en Apocalypse 17. Donc il y a un monde total ici. C'est pourquoi nous avions montré que bien aimé. Le Seigneur. Loba oya lobi. Dans verset 22e, il y a Agé 2. La parole qu'il a dite dans Agé 2, verset 22. A pourquoi ça trône où il y a royaume. Qu'il renversera le trône au-dessus du royaume. Cela veut dire, Nasuka en Apocalypse. Cela veut dire à la suite des temps dans Apocalypse. A pourquoi ça, la bête où il y a au-dessus des tous les royaumes. C'est-à-dire, il va renverser la domination de la bête qui sera au-dessus de tous les royaumes. Parce qu'il y a d'abord dépouillé la femme prostituée. Parce que c'est cette bête qui va dépouiller la femme prostituée. Et la bête est le dieu roi. Et Niamayaoul n'a pas condition. Bangonde le Seigneur a voyé Koukouissa. Et ce sont eux que le Seigneur viendra renverser. Dans l'air, il y a combat d'Armageddon. Du temps de la bataille d'Armageddon. Écriture dans Apocalypse 17, verset 14. L'écriture, c'est dans Apocalypse 17, le verset 14. Yango, Tosali, Nakati, écriture, Tobesi, aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes dans l'écriture que nous avons donnée aujourd'hui. Sur Osée 6, verset 5. Osée, mon capo, Namotoba, Zela, Vita. Dieu frappe par les prophètes. Zambé, Azobeta, Nadzela, Basakoli. Et par sa parole. Pé, Azobeta, Nena, Nilobanaye. Donc, ce que dans le cas de Zoko, moi, c'est que dans cela nous comprenons. Quand le Seigneur a besoin de frapper. Donc, si le Seigneur a besoin de frapper.
à vous frapper par les prophètes. Il va utiliser le prophète pour le faire. Mais tant qu'ils sont frappés par les prophètes, mais quand il dit frappé par les prophètes, la relire moi encore. Je relis les versets 5e, il y a aussi 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Donc, vous avez d'abord reproché Israël. D'abord, ici le Seigneur reprochait Israël. Azoye bisa Israël que il dit à Israël, l'opola aux autres désobéir, aux autres rejeter parole. Tu désobéis en rejetant la parole. Vous frappez par les prophètes. Je te frapperai ou je vous frapperai par le don. Donc il y a un coloba, vous frappez par la par les paroles de ma bouche. Les paroles de sa bouche et ça, ils ont dit manamon koyaba prophète. Et les paroles de la bouche de Dieu sortent par le prophète. Et aujourd'hui, témoignage. Et nous prenons un témoignage. Les jours où le Seigneur a épsaki Moïse. Le jour où le Seigneur avait dit à Moïse. Dans Exode 10, 19. Dans Exode 19. Au tangina verset 9. Bien. Le verset 9. Alors, il dit que nous ça, peuple. Va dire au peuple. Et va se sanctifier. Et se sanctifier. Pendant 3 jours. Na, et moi, je descendrai. Je prends Exode chapitre 19. Hein. Exode chapitre 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 9. Le verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse. Voici. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse a même la qui Maluba, Abimelaki Yahweh, Maluba Libota. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne sainte Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on les lapidera ou les percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple avec leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il est tonnerre. Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement. Le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée.
parce que l'Éternel y était descendu. Yahweh a quitté Kiwana katikati ya moto. Cette fumée s'est élevée comme la fumée d'une fournaise. Milinga wana zalaki kotomba malokola milinga moto ya makasi. Et toute la montagne tremblait avec violence. Bengomba nyonso zalaki ko ninga na makasi. Yoka verset 19. Ya Exode 19. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait. Et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, mongongo ya Nzambe ya makasi, c'est la trompette qui sonne fortement. Donc, la haute voix de Dieu, c'était ça, la trompette avec éclat. Dieu bénisse. Amen. Yango moni, c'est pourquoi tu vas remarquer. Nathalie Sakabino, je vous ai toujours montré. Likambo oyoyo ya komba ya Gédéon na ba Madianite. Sur le combat de Gédéon contre Madian. Simba la manière le Seigneur a classé avant. Saisis la manière dont le Seigneur a classé les choses. Soko tangi le verset premier, il y a Juges 6. Si tu lis le verset premier de Juges 6, les Madianites bazo dominer Israël. Faut pas dominer Israël 7 ans Iran. Les Madianites doivent dominer Israël pendant 7 années ou 7 ans. Si ce que je dis. Il ne faut pas dominer Israël 7 ans. Ils doivent dominer Israël pendant 7 ans. Pendant tant d'années. Pendant tous ces temps. Qu'est-ce qui se passe? Gédéon a une solution pour délivrer Israël. Gédéon cherche une solution pour délivrer Israël. Ayen a Juges 6. Il vient dans Juges 6. Au bandit à partir du verset 36. À partir du verset 36. Et dans verset 41. Jusqu'au verset 40. A 8 toison. Il prend la toison. A tient à quoi le Mique Seigneur. Il place la toison dans l'air. Gambo et Nazo Sala. Il dit, ce que je veux faire. Et qu'on démissionne pour délivrer Israël. C'est ce qui va me prouver que tu délivreras Israël entre la main et Benjamin. Entre les mains de ses ennemis. Alors, il t'a la main, regarde, j'ai pris la peau de la